J'arrive de marché et qu'est-ce que je vois à ma porte? Le facteur m'a laissé un cadeau. Moi, je sais ce que c'est, je vais vous montrer. Si vous pouviez sentir, vous auriez déjà deviné. Et oui, c'est une peau d'ours. Tout ce qu'il y a de plus légal, le permis de trapper là-dessus. Oh, merci. J'ai hâte de travailler ça. Comme on est encore en hiver, puis que ça va me prendre un grand cadre, je pourrais pas le faire tout de suite. Mais dès que je peux, je m'y mets. Puis je vais vous montrer, évidemment. En fait, non, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait redondant et puis ce serait une vidéo encore très longue. Allez voir dans la liste de lecture tannage mes expérimentations. Je vais vous mettre ici en accéléré toutes les étapes et puis je vais faire une pause, donc revenir à la vitesse normale seulement quand il y aura une amélioration par rapport à mes expériences précédentes. Pour mes autres expériences de tannage, j'avais utilisé du gros sel parce que c'est le seul sel non iodé que j'avais trouvé. Et là, je me suis demandé si c'était pas trop gros pour être bien absorbé. Alors, le sel, je l'ai passé au mélangeur pour le réduire en presque en poudre. Puis j'ai vraiment l'impression que ça fait une différence d'avoir du sel à grains plus petits. Alors qu'avec le gros sel, là, j'avais l'impression que masser, ça ne donnait rien. Mais celui-là, on a vraiment l'impression qu'il pénètre un peu dans la peau. Pour les peaux plus petites, on va les replier cuir sur cuir le temps que le sel pénètre. Mais pour un grand ours comme celui-ci, on peut les mettre à l'envers sur la planche avec le poil sur le dessus. J'en profite pour vérifier que les montants du cadre prévu ont bien la dimension qui va convenir. Gratter aussi soigneusement pour les autres peaux. J'avais enlevé le gros sel, puis je l'avais passé à l'eau, à la douche téléphone avec un peu de pression, mais j'avais pas gratté l'entièreté de la peau comme ça. Pour le bain de sel, il faut diluer 4 tasses de sel dans 20 gallons d'eau. Il y a beaucoup moins d'humidité dans la peau au deuxième grattage, puis j'ai l'impression que je gratte pas seulement le sel, mais une couche de gras. Donc ça devrait aider à avoir une peau plus souple à la fin. J'ai laissé la fourrure dans l'eau un peu plus longtemps parce que c'est de l'eau froide. Si c'était de l'eau chaude, il ne faudrait pas dépasser le 10-15 minutes. Mais c'est aussi à cette étape-ci qu'on peut jouer avec l'horaire. Parce que si je la laisse 10 minutes deux fois, j'ai calculé et je serai obligée de l'attendre sur le cadre à 2 heures du matin. Ce n'est pas l'idéal. Donc, si je la laisse un peu plus longtemps dans le chaco de lavage et de rinçage, je vais pouvoir retarder puis l'accrocher à une heure raisonnable.
Fais attention pour ne pas en mettre sur le poêle parce qu'en séchant, ça fait comme un résidu collant qui est difficile à faire partir. La corde que j'utilise, c'est une corde de polypropylène parce qu'elle ne s'étire pas et parce qu'elle glisse bien tant sur la peau que sur le clou. Le cabestan. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un nœud qui est facile à défaire. Là, l'erreur que j'ai faite, c'est de mettre la peau, le poil du côté des clous. Donc, ça m'empêche de l'appuyer correctement. La verticale, parce que les clous vont égratigner la porte. Jusqu'à maintenant, là, j'ai travaillé avec des outils en bois. Pour étirer la peau, ça étire bien, mais je cherchais autre chose qui gratte peut-être un peu plus. Et puis, j'ai pensé à Nomadic Woodsman qui, allez voir sur sa chaîne, là, il a tanné des peaux d'orignal de façon traditionnelle. Puis un bout de temps pour les travailler, il avait pris un outil de jardin, un taille-bordure. Alors moi, j'ai ça. Qui sert à casser la glace, donc c'est pas aiguisé, mais c'est quand même du métal. Il n'y a pas de danger de percer ma peau, mais ça va bien pour travailler. D'autant plus que le manche est long, donc c'est moins forçant, surtout pour le haut. Par précaution, vu que c'est on peut pas se reprendre à deux fois. J'ai accroché un plastique sur les clous. Puis là, je prends la silhouette de la peau. Comme ça, je pourrais jouer avec le modèle avant de découper. Ma première peau d'ours, elle était peut-être un petit peu raide quand je l'ai terminée, mais à force de l'utiliser, elle est devenue tout à fait souple. Comme celle-ci est beaucoup plus grande, elle va être plus difficile à manipuler. Alors, je vais lui appliquer partout une couche d'huile de pied de bœuf. Ça va l'assouplir. Et je vais la laisser sécher avant de l'enlever du cadre. J'en applique une mince couche partout en massant pour faire pénétrer. Là, je vais mettre la peau à l'ombre pour qu'elle ait le temps de pénétrer le cuir avant de sécher au soleil. Ça fait maintenant plusieurs jours que j'ai mis l'huile, donc c'est assez sec pour que je puisse travailler. Travailler, ça veut dire la plier dans tous les sens comme ça, là. Ça devient plus pâle. Je vous montre la différence. Ici, j'ai fait le bout du pied. On voit comme il est souple. Auparavant, il était comme l'autre. Bien raide. Donc, il ne me reste plus qu'à travailler la peau comme ça sur toute sa surface. Après avoir passé plusieurs jours dehors, le gras est absorbé. Et puis, je l'ai beaucoup travaillé, surtout en périphérie. Donc, elle est rendue assez souple. Ma peau. Là, il reste le centre. C'est plus difficile de faire le mouvement comme ça, là. Mais dès qu'on fait ça, c'est ça qui l'assouplit.
Et puis là, aujourd'hui, je suis en train de gratter pour enlever une autre couche de membrane avec un couteau un peu rond, mais bien aiguisé. Ça va assez bien. Il ne faut pas aller trop creux pour ne pas mettre à jour les racines des poils, ce qui les ferait tomber. Mais ça enlève une épaisseur supplémentaire. Et puis avec ça, la peau est vraiment très souple. On va faire une belle fourrure pour faire on ne sait pas quoi encore. J'ai passé pas mal de temps à étirer, brasser, manipuler, triturer la peau. Alors maintenant, elle est rendue assez souple pour être transformée. Il ne me reste plus qu'à enlever la corde là, qu'il y avait sur le pourtour. Et je vais la tailler pour en faire probablement... Pour en faire quoi? Ben, je vous montre ça dans quelques jours dans la prochaine vidéo.